Lorsqu'elle a eu un peu de force, elle est partie pour le Cameroun pour rendre hommage à trois parents. Son papa, papa Pentan Emmanuel, sa sœur aînée, Juliette Pentan. Il y a 30 ans, 30 années que les deux sont disparus. Elle était encore une jeune, très jeune à l'époque. Et la disparition s'est passée dans un écart de 2 mois seulement, très touchant. Solange Nouque s'est rendue au Cameroun pour pleurer et pour rendre hommage à ses parents. Mais lorsqu'elle s'est retournée, elle s'est rendue compte que, après près de 20 ans hors du Cameroun, en fait, elle pleurait sa famille sans ses proches. Ses proches qui sont vous et moi. Elle a donc décidé de pisser ou alors de recommencer l'événement à zéro dans le Royaume-Uni. C'est pour cela que nous sommes ici ce jour. À côté de Emmanuel, papa Emmanuel Pentan et Juliette Pentan, il y a son tuteur décédé il y a à peine une année, papa Jean, le capitaine Jean, j'oublie le nom, Jean Kamla, merci. Elle pleure également ce soir. Solange savait en fait que
Si elle est dans le mal, vous allez partager sa souffrance avec elle. Si elle est dans le bonheur, vous allez partager sa souffrance avec elle. Nous allons donc tous nous lever pour, non pas pour rendre hommage à ceux qui rentrent, mais pour rendre hommage aux disparus. Je vous en prie tout le monde de vous, s'il vous plaît.
Thank you.
Yeah.